Eh bien, bonjour à tous, c'est Steve Légemar et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer. Putain, la vache, il y a un cratère ici. Ouais, il y a un truc qui s'est écrasé là. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est clairement sous mon bouclier. Oh, pas du tout, cette histoire. C'est pour ça que aujourd'hui, très chers amis, on va s'attaquer à l'armement. Mais passons tout d'abord un commentaire qui me dit « Salut Willy, enfin du space, de retour sur ta chaîne, j'ai attendu. Si jamais ça te dit de faire un blueprint d'un gigantesque destiné, il est plus grand... Bonjour. Il est plus grand que l'Orion, tiens-moi au courant. Bon live pour dimanche, j'espère que ce sera du space et non du dual. Alors pour cette semaine, enfin pour cette semaine-là, la semaine dernière, c'était du space. Il faut savoir que j'alterne, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'alterne une semaine Space Engineer, une semaine Dual Univers. Voilà, comme ça au moins je contente à peu près tout le monde. Alors, tac, un autre commentaire qui me dit des problèmes de glace, bah, il suffit de les ajouter à l'apéro. LOL. Alors c'est extrêmement drôle. Voilà, c'est moyen quand même en vérité, mais bon, on va dire que, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Un autre commentaire qui me dit salut perso, je suis coincé dans le jeu, ça me dit il me manque plusieurs ingrédients à l'objet en cours de fabrication alors que j'ai tout. Même fondre du minerai n'est plus possible. Alors Aurax, je sais pas quel est ton problème, je t'avoue. Moi, pour ma part, j'ai jamais eu ça. Donc je suis navré, mais pour le coup, je ne peux pas t'aider. Un autre commentaire qui me dit salut, normal que je trouve pas le live de cet épisode. Alors oui, il faut savoir, je le répète encore une fois, les lives sont en non répertorié, ils ne sont jamais en privé. En fait, quand un live se termine, il est automatiquement mis en non répertorié. Il n'est jamais mis en privé. A savoir que si jamais vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez mis la petite cloche, vous recevez donc une notification quand vous avez le. Donc quand le live se lance, mais quand le live s'arrête, cette notification sert pour accéder à la rediff si vous le souhaitez. D'où l'intérêt de s'abonner. Parfois c'est bien. Et un dernier commentaire qui me dit, je comprends pas pourquoi tu as désactivé les canons de l'Orion. Simplement parce que sinon c'est beaucoup trop puissant. Et il n'y a aucun challenge, tout simplement. Alors, hop, aujourd'hui, très chers amis, nous allons déconstruire et reconstruire par-dessus. Hop. Tac tac tac. Alors. Poupilou pilou. Désactivons ça. Activons la sortie, on va prendre ce qu'on a à prendre viteuf. Voilà. Et donc, oula! Oh putain, à force de lire le chat, je m'engouffre dans des coins que je ne pensais pas faisables. tac, donc, désactivons ça et activons ça. Alors, aujourd'hui, très chers amis, s'il te plaît. Ce que nous allons faire, c'est très simple, on va se faire notre système d'armement. Il faut savoir que, comme vous le savez, j'ai un système d'armement qui, malgré tout, a un léger défaut, c'est qu'il est lent. Il est extrêmement lent pour se mettre en place. Et donc, moi, forcément, tout ceci me pose un immense problème. Donc, aujourd'hui, on va essayer de s'attaquer au problème et de faire un vrai système de défense. Comme vous le voyez ici, j'ai tout déconnecté, idem pour là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, hop, on va mettre une balise de déconstruction qui devrait normalement déconstruire ça et uniquement ça, je précise. Tac, en théorie, bien sûr. Déconstruction. Tac. Voilà, j'ai tout déconnecté de la base. Même là, ça s'enfonce extrêmement légèrement dans le sol, donc c'est pour ça que ça tient. Mais sinon, j'ai tout déconnecté. Donc normalement, on n'a aucun problème. Tout ceci se fait de la manière la plus simple possible. Hop. Voilà, les nanites vont déconstruire tout ça, on n'est pas à l'abri de se prendre un ou deux canons sur la gueule, mais bon, ça c'est pas grand-chose. On s'en sortira très bien, rassurez-vous. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'en fait, on va se faire un système d'armement qui partira d'ici. Qui partira d'ici parce qu'en fait, ça, je sais que c'est déjà relié à ma base, en fait. Donc pour le coup, j'ai pas besoin de plus. Moi, littéralement, juste ça, moi, ça me convient. Donc, il me faut des plaques d'acier, j'ai pas de plaques d'acier. Je t'en foutrais, moi. Pas de plaques d'acier. Ça, moi j'ai pas de plaque d'acier. Moi j'ai pas de plaque d'acier. Fous-toi de ma gueule, je te dirai rien. Alors, tac. Alors, par contre, on va faire du blindage lourd, logique. On parle quand même d'une plateforme d'armement. Je veux dire, à un moment, bon, c'est quand même un petit peu logique que ça soit un minimum du blindage lourd. Hop, alors. Du coup, on va faire ça comme ça. Alors, j'ai pas de plan. Hein. J'ai pas le plan. Je fais ça un petit peu à la one again, je vous l'accorde. On va quand même essayer de faire à peu près un truc de bien, parce qu'il faut quand même pas déconner. Il y a pas de raison que ce soit pas bien. Tac, donc ce qu'on va faire, c'est que... On va se faire donc ça comme ça. Alors, il me faut une plateforme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va se faire une plateforme de 9. Je trouve qu'une plateforme de 9, ça rend bien. Voilà.
Donc là, pour le coup, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, normalement, j'ai 9, hein, je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. On va faire la même de ce côté-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc là, pour le coup, on... Merde. On va rejoindre l'intégralité du truc. Parfait. Les nanites déconstruisent? Est-ce que les nanites te déconstruisent? Faudrait quand même que je sache. Normalement, oui, hein, elles sont censées déconstruire en théorie, mais. Par quel bout elles vont commencer, ça, je sais pas. Je vous avoue que si jamais elles commencent par le bas, ça m'emmerde parce que. Bah, disons que je peux potentiellement me prendre ça sur la gueule. Attendez. Attendez, il y a peut-être moyen que je me prenne pas ça sur la gueule. Il me faut un. Ah, il me faut une interface. Ah, attendez. Essayons de trouver une interface, si j'ai moyen d'en trouver une. Alors, pas là, visiblement. Ah, par là, je peux. Je sais que là, il y a. Voilà. Tac. Info, convertir en station. Je peux même pas. Je peux même pas le convertir en station, le bordel. Bon, bah écoutez, tant pis. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de choses qui me tombent sur la gueule parce que ça me ferait mal. Vraiment. Ça me ferait même bien chier d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, alors par contre, hop, on va se faire une plateforme légèrement plus grande. Alors, si vous entendez quelques bruits, c'est parce que Pietro est là. Il est en train de faire son. Il est en train de. Je sais même pas ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Hop, mais bon, sachez que Pietro est ici. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri de l'entendre si jamais il a envie de se manifester. Ça, c'est en fonction de ce qu'il souhaite. Ça, c'est cool. Ok. Par contre, je remarque que les nanites étaient construites. Elles sont censées détruire les nanites. Pourquoi est-ce qu'elles construisent? Oh non. Déconstruct. Pourquoi est-ce que je le sens mal? Pourquoi est-ce que je le sens extrêmement mal? Pourquoi est-ce que je suis en train de sentir que là les nanites sont en train de déconstruire ma base? En entier. Je sais pas pourquoi, je le sens gros comme une maison. Attendez, parce qu'il faut quand même que je vérifie la chose. Vite, vite, vite. Nanite? Non? Vous êtes sûr, vous faites pas les folles? Ah, attendez, attendez, faut quand même que je me rassure un minimum. Putain, je vais beaucoup trop vite. Elles allaient par là, c'est ça, hein. Donc a priori, non, non, elles... Ah non, 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 elles déconstruisent. Non, non, c'est bon, tout va bien, elles déconstruisent. Je vous avoue que j'ai un peu peur que les nanites fassent n'importe quoi, mais... Oula! Oula, oula! Bonk. Hein? Ah, ouais. Alors, ouais. Non, mais c'est cool, ouais. Ça a l'air de plus ou moins tenir. Non, c'est bon. Ouh, ça va, les nanites sont relativement, relativement efficaces, on va dire. Mais bon, je vous avoue quand même, le moment où ça tombe, ça fait peur. Du coup, ça prend tout. Ouais, j'ai l'impression que ça prend tout. On va dire que, hein. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Les nanites sont légèrement dissidentes par moment, donc on n'est pas à l'abri d'une connerie ou de plusieurs. Tac tac tac. Hop. Donc. Voilà, c'est bon. Les nanites s'en chargent. On les voit qui sont en train de bosser. Non, ça c'est plutôt cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, hop, tout ça, on va le grinder, parce que tout ça, je vous rappelle que les nanites ne le ramassent pas, et il y a une bonne raison à ça. Hop, je sais pas pourquoi elle le ramasse pas, mais moi je sais qu'en tout cas, ça me fait chier. Tac, parce qu'en fait, ça sert à rien, on peut pas les déconstruire, on peut pas les décrafter, on peut vraiment rien faire avec ce truc. Ça peut même pas alimenter quoi que ce soit, donc j'ai besoin de plaques d'acier, moi? Ah oui, d'accord. Eh, je comprends mieux pourquoi. Voilà, venez chercher David. Hop, en attendant, moi, hop. Voilà. Avec ça, j'ai de quoi faire. Donc, disais-je, tac.
En soi, oui, vous allez me dire, oui, mais Willy, construire un complexe d'armement, ça sert à rien. Tu pourrais tout relier, tout ça. Tu pourrais allumer tout simplement les armes de l'Orion. Oui, mais l'Orion, en fait, il est trop efficace. C'est ça le problème. L'Orion est beaucoup trop efficace, du coup, bah, ça me pose un souci. Vous savez que j'aime pas trop quand c'est facile, donc pour le coup, ben. Autant faire en sorte d'avoir un petit peu de challenge. Quand même. Qui a dit que le challenge était interdit? Pas moi. Hop, et donc là, pour le coup, on ne peut rien construire d'autre parce que les nids sont en train de les construire. Ok. Donc, tac, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Une petite goutte de sueur avec les nanites, oui, absolument, c'est totalement ça. On peut pas m'en vouloir non plus, mais. Tac. Tac, 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 on va faire la même chose de ce côté-là. Hop. Ça va bien se passer, rassurez-vous. On y croit, on y croit. Alors, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, hein. Je vous le dis, je fais ça, c'est au pif au maître absolu. J'ai pas de plan en tête, vraiment rien de rien. Sachez-le. Tac, hop. Ça pèse rien, je peux les récupérer, ça. Tac. Voilà. Puff, puff, puff. Tac. Ok. Ça, c'était la partie la plus facile. Voilà, ça c'était la partie la plus simple. Il n'existe rien sur Space donc pour relier ça et ça. Donc on va laisser ça comme ça. Moi au moins, ça me permet de monter sans trop de difficultés. Tac, j'aimerais. Hop. Mon armement est efficace, hein, comme vous voyez. Tac, j'aimerais bien essayer si possible. Toi, dégage, araignée. Tu pues la merde, t'es même pas foutu de me tuer. Alors. À quoi est-ce que tu peux bien servir? C'est vrai quoi. Hop. Tac. Donc là, ça va être la même de ce côté-là. Ah, bordel. Bon, ouais, ça. Attendez, j'ai vu que je pouvais construire là. Et à partir de là, par contre, je pense que ça va être relativement délicat. Ouais, je pense. Je pense. Peut-être essayer de mettre un bloc. Non, c'est juste histoire de faire un raccord, quoi. Je veux dire. Non, pas de raccord. Rien de rien. Rien de que dalle, genre. D'accord. Non, mais écoute, va pour ça. Très bien, pas de soucis. Donc là, ici, il n'y a rien à faire, évidemment. Et donc, de ce. Ah, regardez. De ce côté-là, on peut peut-être en mettre un. Peut-être en mettre un, ou pas. Non, t'as pas envie. Non, c'est quoi? C'est uniquement dans le but de me faire chier, c'est ça? Ah, attendez. Peut-être en mettre un là. Est-ce que je peux? Je peux pas? Pas? Ah, vas-y, dis-moi pas que je peux pas. Je sais que je peux. I know I can do it. Allez, vas-y, I know I can do it, je te dis, bon, d'accord. Tu veux pas? Très bien, je vais te forcer, puisque c'est comme ça, puisque madame ne veut rien savoir. Parfait! Pourquoi? Ah. Non, là. Alors, madame fait la fine bouche, il paraît? T'en foutrais, moi. Pas de fine bouche avec moi. Voilà. Tac, tac, tac. Donc. Ok. Ah bah c'est bien, ça déconstruit vite. En même temps, il y a plutôt intérêt. Donc là, je peux rien faire, du coup, logique. Et donc là, je peux rien faire, du coup, logique. Alors, ce que je vais faire, c'est que. Attendez.
Ah oui, c'est vrai, parce que là, du coup. En plus, se faire un truc comme ça. Voilà. Voilà. Et un truc comme ça. Ok, donc là, déjà, on est parti sur une relativement bonne base, en vrai. Hop. Ça dégage, on s'en balance. On va changer la couleur, hein, vous inquiétez pas, ça va pas rester d'un blanc immaculé. Je vous le dis. Voilà, nickel, il n'y a plus rien. À part ça. Et ben voilà, ça se sera plutôt bien passé cette petite déconstruction. Tac, tout ce que j'espère c'est que les élites vont pas s'attaquer à ma base maintenant. Parce que j'avais tout déconnecté, donc voilà, mais on va quand même espérer que. Disons que ce serait quand même bien que les nanites ne me fassent pas de grosses, grosses, grosses frayeurs comme ça. Alors, ce que je vais faire. Salut Lydia! Oui, excusez-moi, bonjour Kidik, bonjour Ice Cream, je t'ai déjà vu. Salut Ricochet, salut Dani, salut la mort. Oui, la mort est sur mon live. ça fait bizarre, je vous l'accorde, mais je vous jure, c'est vrai. Alors, maintenant, il va falloir que je réfléchisse à quelques trucs. Parce que. Various Utility Shuttle. MK4. Ok, d'accord. Il va falloir que je réfléchisse, pardon, à quelques trucs. Pourquoi? Déjà, je ne peux pas mettre d'armes jaunes. Je sais qu'il y en a qui voudraient que je mette des lasers lourds. Le seul souci, en fait, c'est que les lasers lourds, ça fait des dégâts. Ouh là, il reste un bloc ici. Ça fait des dégâts comment dire? Ça fait des dégâts au sol. Et moi, salut Max. Ça fait des dégâts au sol et j'ai pas envie que ça fasse des dégâts parce que ma base est relativement proche de la Terre, logique. Donc forcément, je peux pas mettre d'énormes méga lasers lourds parce que bah forcément ça pose un problème, on peut s'en douter. Par contre, je peux mettre des lasers légers, ça c'est pas un problème. Je peux mettre des triples lasers légers, ça c'est loin d'être un souci. Par contre, pour le coup, comment est-ce que je les oriente? Eh ouais. Parce que si jamais, admettons, il y en a un que j'oriente de ce côté-là, il pourra aller par là, il pourra aller par là, et il pourra aller un tout petit peu par le derrière, mais vraiment sans plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense. Je pense que. Fais voir ce que j'ai comme laser. Déjà, j'aimerais bien savoir. Alors, donc, j'ai la méga arme qu'on n'utilisera pas, bien que je puisse la construire, c'est même pas dur. Sauf les superconducteurs qui sont un brin chiant à craft, mais voilà. Light laser tourette triple. Je pourrais mettre des light triples, ce serait pas un problème. Ou alors si, attendez. Ou alors, je pourrais mettre des lasers lourds. Mais les lasers lourds, en fait, il faudrait qu'ils soient vraiment à peu près à cette hauteur-là. Comme ça, vu qu'ils peuvent pas descendre plus bas que leurs pieds, en fait, ils pourraient pas flinguer le, pourraient pas flinguer le décor aux alentours, c'est pas possible. Ça pourrait être une idée, mais bon. Ça veut dire qu'il faut que je fasse d'immenses tours, quoi. Mais c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Tiens, vous savez quoi, on va faire ça. C'est gros, les triples. Enfin, question idiote, je sais que c'est gros, mais. Tac. Alors non, moi c'est les vies du coup. Ouais, c'est quand même relativement énorme. C'est du. Attendez, juste je regarde, je vais pas la laisser. C'est du 3 sur 3. Ouais, c'est ça, c'est à peu près du 3 sur 3. Et donc, il va falloir que j'augmente un petit peu la superficie de ces machins-là. Tac. Parce que bon, moi aussi, j'aime bien avoir des trucs lourds. J'aime bien avoir des machins qui font péter. Ça, c'est pas le problème, mais. Alors, déjà, il me faut un centre. Et là, je n'en ai pas. Ça me pose un problème, comme on peut s'en douter. Et là, ai-je un centre? Oui, j'ai un centre qui est ici. Du coup, si jamais là je pose ma tourelle. Non, ça dépasse encore.
Ça dépasse encore, ça dépasse encore. Donc, on va s'amuser. Tac. Là. Ai-je un centre? Oui, il est ici. Et là, pour le coup, puis-je y mettre ma tourelle sans que ça dépasse? Ouais. Donc là, je peux. C'est chouette. Donc là, pour le coup, je peux y mettre une grosse tourelle sans que ça dépasse. Mais par contre, il faut que ça monte. Eh ouais, logique. Ton Orion ne peut pas assurer la sécurité de ta base. Comme je l'ai déjà dit, qui dit que l'Orion, en fait, il est trop pété. J'ai mis trop d'armes dessus. Alors, je pourrais en enlever, c'est pas le souci. Mais le souci, c'est que, bah, en fait, si jamais un jour je vais dans l'espace, les armes de l'Orion me seront utiles. Pour le coup, ça pourrait, l'Orion pourrait assurer la sécurité de ma base sans difficulté, mais l'Orion est beaucoup trop pété. C'est pour ça que je fais, c'est pour ça que je me fais un système de défense autre à côté. Donc voilà. Du coup, alors par contre, il faudrait que ça monte. Faudrait que ça monte, il faudrait que ça monte. Mais ça va faire moche. Ça va faire moche, et du coup, étant donné que les lasers ont un angle limité en fait, ça risque de poser un souci. Un peu moins overkill surtout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tac. Oui, je vous avoue que j'ai pas réellement réfléchi à la chose. Max range 2 km. Rotation de moins 15 à 25 degrés. Ouais, donc c'est pas. Disons que c'est pas vraiment, comment dire, 25 degrés, c'est pas grand chose, hein. En vérité, là, si jamais là je mets des. Mais là, je mets des lasers, ils serviront à rien. Littéralement, ils serviront à que dalle. Parce que, ben, 25 degrés, rendez-vous compte, je crois que ça fait. Bah, je crois que ça lève jusqu'à l'Orion, là, mais pas plus. Fait que vraiment, là, au-dessus, il y aura que dalle, en fait, hein. Il n'y aura aucun système d'armement, de quoi que ce soit. Donc vraiment, le seul truc qui pourrait potentiellement aider, ce serait peut-être que les armes soient, au lieu d'être comme ça, ce serait peut-être que les armes soient comme ça. Évidemment, il faudrait remonter le truc, mais le souci avec les armes comme ça, c'est qu'elles peuvent flinguer le sol, donc je pourrais pas mettre des lourdes, logique. Donc du coup, il va falloir que. Je pense qu'il va falloir que je mette des légères, je vais pas avoir le choix. J'aimerais bien mettre des lourdes, mais le souci c'est que les lourdes, ben. Ça me pose un léger souci, comme on peut s'en douter. Là c'est pareil, de toute façon c'est pareil, je pourrais pas en mettre des comme ça. J'ai quoi en armes? Tac. Alors j'ai ces armes là. La Heavy Gimbal, elle pourrait peut-être passer en vrai. Fais voir ce que ça donne. Alors elle, par contre, ouais, c'est ça. Elle ne peut tirer que en l'air. À savoir que elle, je peux la poser, ça pose pas de problème. Elle ne pourrait tirer que en l'air, mais elle aussi, elle a un angle bien précis de moins 45 à 45 degrés. Donc c'est pas, voilà quoi. Et bon, elle au moins, elle peut pas flinguer mon sol. Ça c'est bien, pour le coup. Tu feras d'autres tutos sur Vegas Pro avec des plugins. Alors, j'ai jamais installé de plugin sur Vegas, donc je ne pense pas. Mais peut-être. Peut-être, je veux dire, après tout, pourquoi pas. Hein, on n'est pas à l'abri de. Je pourrais à l'abri d'en refaire, hein, mais pour le coup, j'ai jamais eu de plugin en fait sur Vegas. Donc je serais incapable de te dire. Tac, 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 tac. Je pense que le centre est là. Le centre. Oula. Alors le centre n'est pas là du tout. Là peut-être. Qu'il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ouais, nickel, le centre est là. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des gimbals, parce que je sais que vous voulez voir des lasers lourds. Ça sert pas à grand chose, mais vous voulez quand même en voir. Tac, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre. Tac. Voilà. On va en mettre un petit peu ici. En fait, ouais, les gimbals, on va s'en servir, hein, parce que tant qu'à faire, voilà.
On va s'en servir plus comme ça, je pense, en vrai. Oula, mais ça dépasse là. Pas bien ça. Hop, je me suis fait chier à faire une plateforme. Le moindre de la chose, c'est quand même que ça dépasse pas. Merde. Tac. Alors, comme ça, si possible. Et là, pour le coup, je me suis planté celle-ci. Hop, elle va. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait un peu flipper, je vais être sincère, c'est les reverse. Les reverse sont beaucoup plus puissants qu'avant. Et donc, pour le coup, bah, ça pose un problème, évidemment. Donc, il faut bien que je puisse me défendre. Alors, celle-ci, c'est pareil, je l'ai mal foutu. Hop. Voilà, celle-ci, et voilà. Donc, celle-ci, et voilà. Et voilà. Hop. Celle-ci, je l'ai mal foutu. Toc. Merde. Voilà. Voilà, donc là déjà, niveau système de défense, bon, on est déjà pas si mal que ça en vrai. Tu veux pas paramétrer un battement d'angle genre 270 degrés à 90 degrés? Non, ça je ne peux pas faire. Je ne peux malheureusement pas faire, pas sur ces armes-là. Je sais pas si il existe un tuto sur lesquels je peux, mais en tout cas là je peux pas. Alors, par contre, du coup, j'ai presque envie de dire que. Fais voir les armes que j'ai en vrai. Arme laser, j'ai quoi? Donc j'ai ça, alors ça je vais m'en servir, ça c'est sûr et certain. Les lasers gimbal. Alors ça je vais m'en servir, mais ça en fait je m'auto. Ça en fait je vais m'imposer une limite à ce niveau-là. Je vais pas en mettre tant que ça, je vais en mettre genre 4 ou 6. Mais vraiment pas plus quoi. Et peut-être que je vais mettre des lights. En fait, je vais mettre des lights au centre ici. Et je vais mettre des lasers. Parce que là, bon, je pense qu'avec ça, déjà, je vais être pas mal au niveau des. Au niveau des. Comment dire. Au niveau de la défense. Hein, je veux dire, là, avec les lourdes, déjà, je suis bien. Je vais être sincère. Donc, pour le coup. Pour le coup. Ah oui, mais les lights sont petites en fait. Mais il fallait le dire tout de suite. Il fallait le dire tout de suite. Du coup, j'ai pas besoin de tout ça, moi. Hop. M'en fous, les nanites viendront ramasser. Et le mieux, c'est que je pourrais prendre le contrôle d'une arme. Ça, c'est cool aussi. Je pense, en vrai, que je peux laisser ça comme ça. Attendez, ouais, si, si. Hop. Faire la même de ce côté-là. En vrai, ouais, je pense que je pourrais prendre le contrôle d'une arme. Hop, là, si jamais je me mets 4 petites tourelles comme ça. Hop, donc franchement, bon, 4 tourelles, hein. Franchement, je trouve que ça va. Vu les dégâts qu'elles font, sincèrement, c'est pas dramatique, dramatique. Mais c'est bien, en support, ça aide. En support, ça aide, et pour flinguer les trucs qui se déplacent relativement vite. Moi je dis en vrai ça passe. Hop, aïe. D'accord. Voilà. Donc là déjà, bon, niveau espace d'armement, on est pas mal.
Espace d'armement, on est pas mal. Bon, les gimbals, après, elles font pas tant de... Enfin, elles font des dégâts, mais c'est vraiment... voilà, quoi. Elles font pas vraiment tant de dégâts que ça. Est-ce que je sais le dégât que font Fire Raid 60 rounds par seconde? Non. Auto-target, yes. Tac, 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 tac. Non, j'ai pas les dégâts qu'elles font. Oh, c'est dommage, ça. J'aurais bien aimé savoir les dégâts que ça faisait. Parce que là, ensuite... Ce que je peux faire, parce que moi il me faudrait une arme évidemment, mais une arme qui puisse qui puisse target vraiment bien le bordel quoi. Donc du coup ce que je vais essayer de faire c'est tech. Alors non, excusez-moi, c'est en adage lourd que je vais faire ça. Tech. Le souci c'est que ça monte jusqu'où en fait? Ça monte jusque là. Ah putain, c'est plus petit que ce que je pensais en vrai. Ça monte jusque là et moi j'ai pas envie de flinguer leur de flinguer leur visée quoi. Du coup, comment puis-je faire? Que puis-je faire? La 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 la. Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. Peut-être que je peux m'en mettre des lights, mais des lights doubles. Genre, ça marcherait ça ou pas? Je vais voir les lights doubles, comment ça se passe. Parce que clairement, là, je pourrais en mettre une au milieu. Ça passerait. Et à ce niveau-là, fais voir. Non, c'est comme ça que je veux voir. Et voir ce que ça donnerait là. Bref. En fait, ces armes-là, c'est vraiment moyen quoi pour. À mettre sur un vaisseau, je dis pas, le vaisseau qui est en face, tu le target et c'est réglé quoi. Mais à mettre sur une base comme ça, c'est relativement moyen en vrai. En vrai de vrai, c'est pas vraiment la chose à faire. Non, en vrai de vrai, ce que je pourrais faire, je vais essayer, on va voir. Tac. On va essayer de se faire un truc relativement grand. Enfin, relativement grand. Disons que c'est subjectif, mais. Tac. Parce que là, du coup. Alors, faut que j'essaie de la contrôler pour voir ce que ça donne. Au niveau de. Au niveau de. De comment dire? De. Bah, de la distance qu'elles peuvent couvrir, quoi. Tech. Fais voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez, en fait, ça peut pas se. Alors, ça tire, hein, ça je dis pas, mais. Enfin, quoi que ce soit, c'est quand même une relativement bonne. Disons que c'est relativement limité en vrai ce qu'elles peuvent faire. Mais bon, elles ont quand même un grand espace où elles peuvent tirer. Genre, lui par exemple, si je veux. Bon, il subit aucun dégât parce qu'il est beaucoup trop loin, bien sûr, mais. Enfin, bref, vous avez compris le principe, quoi. En soi, c'est faisable. Donc, non, ça va encore. Ça a une plus grande. A une plus grande capacité que ce que je pensais, j'avoue. Alors, je vais tous les paramétrer, ça pour ça, il n'y a pas de problème. En fait, ouais, moi, ce qu'il me faudrait, ce serait vraiment quelque chose qui puisse vraiment voir tout le truc, quoi. Mais vraiment tout, hein. Qui puisse vraiment voir tout ça, voir tout là-haut, et ne pas faire de dégâts. Le seul souci, le seul truc qui fait ça, c'est ça. Ça et les points de défense laser. Donc, les points de défense laser, tu me diras ça, vu le peu de dégâts que ça fait, en vrai, je peux m'en mettre. Hein. Je peux m'en mettre une petite. Je peux m'en mettre une petite chier sans que ça fasse chier.
peut mettre une petite chier sans que ça m'emmerde. Du coup, hop. Faisons ça comme ça. Parce que là, en fait, ces trucs-là, ça fait vraiment, vraiment très peu de dégâts. Oui, je m'en sers pour éliminer les araignées. Et les araignées, ça mène quand même quelques secondes à les kill. Là, ça les kill relativement vite parce que bah, il y a les armes de l'Orion, bien sûr. Mais en soi, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts, ça. J'ai pas moyen d'avoir. Tac. Pitch, voilà, moins 20 degrés ou 70 degrés. Donc ça peut vraiment aller de dans le sol à dans les cieux, quoi. Là, avec ça, je peux vraiment tout faire. Max range 500 mètres. Donc à savoir que ce serait même pas effectif tout le temps en vrai. Ce serait effectif uniquement quand. Bah, uniquement quand ce serait au-dessus. Littéralement, sinon ça marcherait pas. Ah, en vrai, si je pourrais en mettre, hein. Faire une tour qui monte et qui descend. Bah justement non. Si jamais je me suis amusé à mettre ces machins-là, c'est justement parce que la tour, bah ça va gêner en fait l'angle de visée. Donc non, ça c'est pas faisable. Alors qu'en vrai, si jamais je mets des trucs comme ça. Hop. En vrai, ça pourrait le faire, hein, je pense. Oh putain, je crois que j'ai plus de superconducteur. Tu pourrais pas poser des tourelles sur des plans inclinés? Alors non, je peux pas. Pas. En vérité, si je pourrais poser des tourelles sur les plans inclinés, mais en fait, il faudrait que je les incline moi-même. Ah! Il faudrait que je les incline moi-même parce que bah ça serait sur des moteurs. Donc pour le coup, bah ça pose un léger problème. Si jamais je dois faire moi-même, autant que je m'amuse à viser moi-même, quoi. Salut Fabrice! Donc du coup, ouais, c'est ça, il me manque. Qu'est-ce qui me manque au juste? Il me manque des super conducteurs, je l'avais parié. Hop! C'est pas grave, on va s'en faire un petit peu. Et ça conclura cet épisode. Production! Ouais, je pense que même 10 000, à mon avis, ce sera pas trop. En vrai, de vrai. Bon, ça va relativement vite, c'est pas le souci. Et normalement, les autres là. C'est ça, il en faut quelques-uns aussi. Parfait. Parfait, parfait. Donc, tout ceci se fait. Très chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous avez potentiellement des conseils. Alors, des conseils réalisables, hein. Ne me demandez pas de faire une immense tour, tout ça, parce que bon, c'est réalisable, mais c'est moche dans le décor, quoi. Là, j'ai vraiment fait ça pour que ce soit. Pour que ce soit le plus esthétique possible. Hein. Mais en vrai, bon, là déjà, avec ça, j'ai de quoi me défendre un petit peu. Ça, c'est bien. Donc, très chers amis, je vais paramétrer tout ça en off. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien. Et à la prochaine!